Bonjour, nous nous retrouvons à Quessoy pour parler environnement. Et il y a quelque chose qui marche très bien ici, ce sont les sentiers équestres. Le village est très bien desservi. Il y a une dizaine de cavaliers à Quessoy qui se retrouvent régulièrement pour sillonner ces sentiers équestres. On va aller les retrouver. Parmi les 4000 habitants de Quessoy, nombreux sont ceux que l'on croise sur leur monture. Des agriculteurs à la retraite, des actifs et quelques jeunes qui se retrouvent le week-end pour une échappée sur les sentiers. Direction Josselin ou Guerre-les-Dents, en centre-Bretagne, les sentiers équestres forment des boucles. Nul besoin de revenir sur ses pas, ce qui fait la saveur de ces chemins aux yeux d'Emma. Quand je fais du cheval par chez moi, il y a beaucoup moins de chemins de randonnée où il y a beaucoup de routes et ils ne sont pas reliés entre eux. Alors quand on est ici, c'est vraiment sympa de pouvoir faire des tours entiers comme ça et de partir sur 2-3 heures sans problème. Et depuis chez vos grands-parents? Oui, c'est ça. Ouais. C'est l'occasion de revoir des gens qu'on n'a pas forcément vus depuis longtemps. Puis on sort, on a les chevaux, il fait beau. C'est vraiment sympa, quoi. Les Quessoyais bénéficient de 13 hectares de forêt sur leur commune, sans compter le bocage qui a été préservé autour des champs. Profitant de cet environnement privilégié, une communauté de cavaliers s'est peu à peu constituée. On a commencé à faire du cheval, on avait 10 ans. 40 ans plus tard, on en fait toujours. Voilà, c'est une passion des gens... C'est aussi les rencontres qu'on fait tout au long de la vie, en fait. Voilà, il a fallu qu'un voisin arrive faire du cheval, et puis on s'y met comme ça, en fait. Et puis on s'aperçoit, en fait, qu'il y a tout un réseau de gens qui font de la randonnée. Les villages traversés par les circuits équestres s'équipent parfois d'un abreuvoir pour les chevaux, de sanitaires pour les cavaliers, de quoi rendre les déplacements plus faciles. Mais de là à concevoir le cheval comme un moyen de locomotion... Vous pensez que c'est amené à se développer ? Avec la crise du pétrole? Alors, bonne question, je sais pas. Nous, oui, je pense que ça changera pas notre... je sais pas si on peut revenir en arrière au niveau mécanisation, parce que voilà, après, faut vraiment avoir du temps libre pour aller au travail. Et je pense pas qu'il y ait des structures pour accueillir les chevaux dans les entreprises encore. Alors, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on peut parcourir des centaines de kilomètres à cheval en Bretagne. Un cavalier de Quessoy a fait un périple de 800 kilomètres. Il va nous raconter son voyage. On le retrouve bientôt. Constant Ramel, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous rêviez de grands espaces lointains et puis finalement, c'est un voyage en Bretagne que vous avez fait. Oui, oui, j'en parlais depuis longtemps et je rêvais de voyages lointains suite à la lecture d'ailleurs de deux livres, dont un de Sylvain Tesson, l'autre c'était Les Cavaliers de Kessel. Le Kazakhstan à cheval avec Sylvain Tesson, l'Afghanistan avec Joseph Kessel. Et puis finalement, non, ce sera la Bretagne avec sa jument Kenoa. Cet ancien éleveur de cochons est parti un été, il y a 3 ans, de Quessoy au sud de Saint-Brieuc jusqu'à la presqu'île de Crozon et un retour en suivant l'Aulne, puis la vallée du Blavet. 800 kilomètres d'aventure et de rencontres. Un jour, je faisais mes courses à une supérette, puis j'attachais mon cheval à un coin de parking. Et puis, une famille descend, la petite fille vient à moi. Oh, je lui disais que j'allais me demander ce que je faisais. Je lui disais que je vais faire mes courses pour l'instant. Oh, ben, je vais rester garder votre jument. Elle est restée là. Et du coup, ses parents m'invitaient à prendre le café le soir, parce qu'ils me souvenaient que le circuit passait chez eux. Ben, il a fallu que je me lève le soir à prendre le café chez eux. Quoi. Donc, c'est des petits moments comme ça, mais qui font que ça rend le périple vraiment... On est content le soir, quoi, quand on arrive. Et alors, au cours de votre voyage, vous avez croisé les gendarmes aussi, qui s'inquiétaient un peu. C'était dans la forêt de Crozon, à l'entrée de Crozon, où je m'étais, il faut le dire, un peu perdu. Entre regarder la carte, on ne voit plus les balises, et quand on
quand on relève le nez, ben, on est un peu perdu. Et une patrouille des gendarmes de l'école de gendarmerie de Châteaulin était en manœuvre dans cette forêt. Là, je me suis adressé à eux. Un jeune officier avec sa carte d'état-major est arrivé, qui m'a remis sur le bon chemin. Il m'a demandé savoir ce que je faisais. Je lui ai raconté, je suis parti de Saint-Brieuc. Et vous allez où? Et je retourne à Saint-Brieuc. Et quel âge vous avez? Alors, je voulais m'amuser un petit peu, donc je lui ai dit, ben, à nous deux, on a 90 ans. Avec la jument? Oui. Quel est l'âge de votre jument? Partir seul, pour vous, c'est encore se rajouter une difficulté ou est-ce que c'est au contraire un plaisir? J'aime beaucoup être seul. C'est une bonne thérapie pour le cerveau, je trouve. Oui. Plonger, immerger dans la nature, quoi, seul avec son cheval, c'est quelque chose de super. Dans la nature, à l'état sauvage, mais en même temps, j'ai découvert dans ce périple là que c'était mon âme de paysan qui revivait là. Passer dans un village et arriver dans des herbages riches, quoi, gras, et avec un magnifique troupeau de vaches dedans, moi, je suis aussi épaté que d'être dans la forêt de Béfou. Pour d'autres raisons, sans doute, mais ça me fait le plus grand bien. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite partir à cheval seul comme ça? Il faut oser, c'est tout. Merci Constant. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris avec d'autres randonneurs de passage à côté de Quessoy. Jackie Brunet a œuvré à la création des sentiers Équibraise il y a 25 ans. Bonjour. Bonjour. Vous voilà arrivé pour le 4 août alors? Ah oui. I wish I was a fisherman, tumbling on the seas. Comment ça se présente, les chemins pour venir jusqu'ici depuis Plérin? Depuis Plérin, c'est d'abord un peu la vallée, et puis la vallée du Gouette, et ensuite c'est le bord du plan d'eau de Saint-Barthélemy, qui est praticable que depuis 76 à peu près. Mais ça fait comme une étape de montagne, ça n'arrête pas de monter et de descendre, avec un sol de qualité, j'allais dire pas exceptionnel parce que c'est dur, mais c'est très propre, pas de boue, c'est très bien, très très bien. Est-ce qu'il faut forcément être propriétaire de cheval pour pouvoir profiter de ces circuits? Ben non, il y a bien sûr il y a des propriétaires. Hein. Nous, on a une association dans les Côtes d'Armor où on a à peu près 400 à 500 cavaliers avec des chevaux et des chevaux. Hein. Mais il y a aussi 70 centres équestres en Côtes d'Armor dont la moitié à peu près pratique beaucoup la promenade. Donc il y a beaucoup de promenades en bord de mer. Et puis certains, alors là, sont un peu moins nombreux et pratiquent la randonnée. Est-ce que vraiment c'est un moyen de locomotion, le cheval, dans les Côtes d'Armor? Est-ce qu'on a moyen d'aller à Saint-Brieuc, à Lamballe, à cheval? On a moyen de... Sur Saint-Brieuc, c'est difficile de rentrer dans Saint-Brieuc à cheval, mais on peut rentrer par la vallée de Bouédic. C'est... Comment je peux dire? Mais l'intérêt pour le cavalier, c'est pas la ville. Pour Saint-Brieuc, l'intérêt, c'est d'être sur la baie de Saint-Brieuc, par exemple, traverser la baie de Saint-Brieuc, qui là nous donne un magnifique itinéraire, même exceptionnel, entre Planguenoil et Plérin. Dans les Côtes d'Armor, on a à peu près 2900 km d'itinéraire équestre qu'on appelle Côtes d'Armor à cheval, dont 600 km de réseau de chemin Équibraise. Un réseau de chemin là, qui fait tout le tour de la Bretagne et puis qui fait aussi une grosse transversale nord-sud, Saint-Brieuc, on va dire vers Vannes, et puis une horizontale, on va dire Rennes, Carré, à la louche, hein, comme ça. Mais, voilà. Et alors ce fameux circuit qui traverse toute la Bretagne, ouais. Eh bien, on a retrouvé un reportage l'année suivant sa création, c'était en 1998, et déjà il y avait un rassemblement de cavaliers à cette occasion. Point de rencontre des cavaliers qui convergent vers Gouarec, les Landes de Liscuis, un des hauts lieux d'Équibraise, cet itinéraire équestre qui traverse la Bretagne depuis 1997. Beaucoup des 150 randonneurs attendus à ce rassemblement le parcourent pour la première fois. Ils viennent à cheval de toute la région.
Nous sommes partis jeudi de Josselin, nous avons suivi le halage, et nous avons suivi les macarons de l'équipe Brest, et après nous avons pris Guelta, Saint-Caradec par La Rigole, et c'était très sympa. Ensuite nous avons dormi à Saint-Guen, et ben, nous sommes arrivés hier, nous avons suivi le canal, et aujourd'hui bon, on se promène sur Gouarec, c'est magnifique. Équipe Brest représente un topo guide de 2000 km de chemins équestres qui se confondent parfois avec les sentiers pour marcheurs ou vététistes. Des accords avec les collectivités locales et les propriétaires privés ont permis de réaliser ce tracé. Les effets sur le tourisme sont déjà visibles. Il y a eu beaucoup de randonneurs l'an dernier, il y a eu augmentation du nombre de randonneurs. On a fait une enquête, c'est difficile à chiffrer, mais certains gîtes ont vu le passage augmenter. Alors, ce qui a été surprenant peut-être et qui ne correspondait pas à notre objectif premier, c'est que c'est les régions déjà développées qui ont profité, et en particulier les Monts d'Arrée, qui ont profité du coup de projecteur que l'on a mis sur l'itinéraire. Équipe Brest évolue, de nouveaux tracés locaux se rajoutent, mais le plus difficile est d'assurer la cohabitation avec d'autres utilisateurs. Cela provoque parfois quelques frictions sur le littoral. Les circuits équestres se sont beaucoup développés. Est-ce qu'il y a des freins, des difficultés aujourd'hui? Il y a une autre notion là, que nous, on commence à prendre très très au sérieux, c'est la notion du vivre ensemble sur les chemins, parce qu'on a les piétons, ça fait longtemps qu'on fonctionne avec les piétons, ça fait assez longtemps qu'on fonctionne avec les vététistes, mais là maintenant on doit nous fonctionner avec les cyclos, des fois les touristes qui viennent en vélo de toute l'Europe, on va dire. Maintenant en plus on a l'arrivée du vélo utile. Donc surtout en zone urbaine, où là, nos chemins, on doit les partager avec les pratiquants qui ne sont pas forcément des randonneurs, mais qui vont au boulot en vélo ou qui vont manger chez eux en vélo. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup plus de monde qu'avant sur les chemins. Hein. On pourra bien partager. Hein. Voilà, notre émission consacrée à Quessoy se termine. On se retrouve demain au lycée agricole de Quessoy. Nous parlerons enseignement agricole. À demain.